C'est une cérémonie spéciale avec un nombre restreint de nouveaux Canadiens qui viennent de 14 pays différents. C'est pour la première fois qu'on organise une cérémonie de citoyenneté à l'Hôtel de Glace à Valcartier. C'est une initiative de l'Institut pour la citoyenneté canadienne qui a approché l'Hôtel de Glace et nous avons organisé la cérémonie ici. L'Institut a été créé en 2006 par la très honorable Adrienne Clarkson et M. John Raston-Saul. Le but de l'Institut, c'est vraiment de renforcer la citoyenneté canadienne. Notre programme est d'organiser des cérémonies de citoyenneté canadienne spéciales un peu partout dans le Canada. Et on essaye vraiment de rechercher soit un lieu iconique, soit un lieu culturel, ou un lieu qui va vraiment avoir un attachement sentimental. Aujourd'hui, par exemple, on est à l'Hôtel Valcartier. Nous sommes très heureux d'être en partenariat avec l'Hôtel Valcartier. Et c'est notre première fois avec l'Hôtel Valcartier, donc c'est vraiment magnifique. Et la cérémonie qui a eu lieu à l'Hôtel de Glace, pour moi, c'est très représentatif de notre mission, c'est-à-dire d'avoir un lieu culturel qui est relatif aux sentiments, mais qui est très représentatif du pays. C'est aussi d'avoir ce focus sur les nouveaux arrivants, les nouveaux immigrants. On essaye de leur donner un nouveau souffle et on essaye surtout d'apprendre à connaître en particulier leur parcours de l'immigration à la citoyenneté. C'est un sentiment de satisfaction, de bonheur. C'est un cadre magnifique. Et j'ai eu des amis qui ont déjà eu la chance, qui ont l'honneur de devenir citoyens canadiens, mais ils n'ont pas eu la chance de le vivre dans un cadre pareil ici à Valcartier. Et c'était une très belle cérémonie. On a vraiment apprécié. Il y avait la juge, le représentant de la GRC aussi. Donc, les discours ont été vraiment inspirants, ça donne envie, ça fait plaisir, ça donne envie de se donner encore plus en tant que citoyen pour accomplir nos droits, plutôt nos devoirs en tant que citoyen canadien.